Allons, mes amis, vous allez quand même pas m'arrêter, moi, le dernier pirate de la Manche. En plus, je n'ai jamais tué personne. À part peut-être quelques personnes qui m'ont embêté, voilà, mais à part ça, j'ai jamais tué personne, c'est bon. Je ne suis qu'un humble voleur marin. Vous n'oseriez tout de même pas m'arrêter, moi, sur le moineau. Le plus grand, beau, charismatique de tous les pirates de... Et ainsi, ils ont osé. Ils ont même coulé mon bateau. Donc toutes mes affaires... Oh, c'est pas juste. Panier! Salut Jones et bienvenue dans les Siacréens. Aujourd'hui, dans les Siacréens, nous avons caché des caméras cachées dans la bicoque de Hervé Ronchon et de ses colocs. Et nous avons bien évidemment mis une caméra devant un fond vert où ils pourront discuter avec vous, téléspectateurs. Les quatre candidats sont Hervé Ronchon, un inventeur à la retraite. Ryan qui est une babysitter au bout des nerfs. Oui, c'est l'heure de se coucher. Non, j'ai pas envie. Eh ben si, c'est moi qui décide. Non! Herbertran, un professeur de mathématiques. 3 moins 1 égale. Mais pas 31, enfin! Mais c'est deux! Vous n'aurez jamais votre brevet, hein. Beaucoup trop abruti. Et Ludopatpo, qui est un flic. Vous avez grillé le stop, monsieur. Monsieur, vous avez grillé le stop. Monsieur, vous avez grillé le stop! Chacun de nos quatre candidats ont un secret bien gardé. Et à chaque fois qu'un secret est dévoilé, on les fout au grenier. Et la dernière personne qui a encore son secret a gagné 800 000 euros. Waouh, quelle flouze! Herbert, je peux te poser une question? Bien sûr, mon canard en sucre d'orge. Cette nuit, j'ai rêvé qu'une chaussure à talons extraterrestres à l'accent luxembourgeois me paraît une géopolitique interstellaire. Qu'est-ce que ça peut signifier? Que tu manges trop de malbouffe et que ça nuit à ta santé mentale. J'ai le journal! Ouais, on est le grand. Non! Oh, il y en a qui dorment! Oh, sale jeune! Oh, fichu beurre! Saleté de biscotte bon marché! Calme-toi, papy. Pourquoi tant de haine? As-tu été jadis maltraité moralement par des petits jeunes qui se moquaient de tes habits? Gne. Quel vieux jeu celui-là. Alors ça. Non. Non. Oh! Je pense savoir quel est le secret de Ludovic. Je pense qu'il était autrefois désagréable parce que des petits garnements se moquaient de son attribut de policier. Bon, j'avoue, tu as découvert mon secret. Bye bye. C'est
C'est vraiment pas juste. Ce midi, potage de légumes. Bio, bien sûr. Ouais! Tu as pensé à la chocolatine, Laura? Oui? Aïe! Ça va pas? On dit pas au chocolat! Espèce de sale sudiste! C'est pas pour autant que tu dois le maltraiter comme un petit chaton! Oh oh. Et allez! Ça fait deux! Laura va le traiter de chaton! Oui, j'avoue! Et ben voilà! Coucou Ludovic. Bonjour Laura. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. T'es chez moi. 1 700 €. Oh, sale politicien. Et ne m'insulte pas, hein. Mauvais joueur. Ah ouais, je suis un mauvais joueur. Est-il roux? Oui. Trouvé. C'est Ogeman. Haha, j'ai gagné. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi tu gagnes toujours maintenant? Autrefois, quand je jouais, c'est moi qui gagnais. Écoute, Hervé. Autrefois, j'étais hébété parce que je regardais trop de dessins animés sur Kuli. Et du coup, après, j'avais l'air un peu trop idiot, comme quelqu'un d'ivre. D'où mon nom de bourré. Oh, ça veut dire que j'ai gagné. Non. Ouais. Tenez, voici votre récompense. Oh, merci beaucoup. Oh, quant à vous autres, vous avez un lot de consolation. Un paquet de mouchoirs. Quant à vous, cher public... Prophète, non? Alors dites-moi, quand mourront ces personnages? Ils mourront tous dévoilés par la dame cet après-midi au pôle de Saint-Kilian lors d'une enquête. Qui êtes-vous? Pourquoi voulez-vous des informations si précises? Vous me posez trop de questions. Je les connais, c'est tout. Herbert, je peux te poser une question. Cette nuit, j'ai rêvé qu'une chaussure à talons extraterrestre à l'accent luxembourgeois ne parlait de surpolitique. Non, il faut que je refasse. Hé!